Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Je vois que j'ai des trucs ici. Oui, voilà, votre puissance a besoin de vous, vu que les bonheurs, bonus, vous char. C'est le dé. Bah, du coup, on va aller les chercher, vous savez quoi. Et donc, dans cet épisode, nous allons continuer le commerce, chers amis. Vous allez voir que là, déjà, je suis à 1 100 000 crédits, 111 000 crédits très exactement. Je suis devenu revendeur au niveau du rang de commerçant. Et donc, tout ça, chers amis, nous mène donc de plus en plus loin au niveau de notre capacité à faire du commerce. Mince, avant d'aller là, j'ai dit que j'allais aller récupérer mon argent. Voilà, ici. Je n'ai rien ici, c'est parfait. Contact au sein de la puissance. Hop, parfait. Hop. Voilà. Et donc, chers amis, mes très chers amis. D'ailleurs, tiens, attendez. Avant de dire tout ça, avant de faire tout ça, puissance galactique. Allégeance, d'accord. Classement des puissances, allégeance. Voilà, allégeance. Si j'aimerais juste aller voir d'autres. Mince, c'est pas ça que je. Bon, c'est pas à ce point-là que je voulais quitter, je voulais juste revenir en arrière. Bon, classement des puissances. Alors, attention, qu'est-ce qui se passe? Non, ouais, si tu le dis. Trouble. Déstabiliser trouble, d'accord, d'accord, déficit actuel, d'accord, ok. Retour. Moi, j'aimerais voir s'il n'y a pas, par exemple, quelqu'un qui est plus du genre commerce. Si possible dans l'Empire, on va dire. Donc, Zemina Torval, vas-y, c'est quoi? Le commerce est une source de... est source d'occasion. Bon, bah voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Qu'est-ce qu'elle me donne? D'accord. D'accord, la lance de minage, donc ça ne m'intéresse pas des masses, ça par contre. Bon, c'est extrêmement suggestif. Empire. C'est la guéguerre celui-là. Empire, celle-ci. Social, finance, social. Alors, allégeance. Qui crée des boucliers particulièrement puissants et débloqué. Un montage, augmentation de 100% des récompenses influentes dans le. Bon, d'accord, c'est pas utile. C'est limite si j'ai pas envie de quitter le powerplay. Tableau d'affichage, chers amis. Donc, alors, moi je vais en profiter pour vous parler de quelques petites choses. Donc, je vous ai parlé donc d'évolution au niveau du commerce. Pourquoi? Alors, pour 1 500 000, on va arrondir. Pour 1 500 000, chers amis, je pourrais obtenir un Lacon type 6 de transport, donc équipé, fité. Plus ou moins bien. On va dire équipé full cargo avec, on va dire, middle generator et middle FSD. Donc de rancer les deux, on va dire, à peu près. Donc, bon, ça, déjà, en soi, c'est pas mal. Transporteur de ferraille, martinet, d'accord. Donc j'ai pas envie de me transporter de la ferraille, c'est cool. Alors. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous emmène? Non. À Groombridge, sinon on a que celui-là, d'accord, ok, bon, bah, pas grave. Je suis chez Duamta. D'accord, hein, ouais, Polyakov, donc faut que je prenne du beryllium. Par conséquent, j'ai décidé donc de monter jusqu'à 2 millions pour pouvoir continuer avec les... Vous voyez, là je vais payer 400 000, vous voyez, 411 000. Faut que je puisse au moins continuer à acheter ça, pour commencer à être rentable, vous voyez. Et donc, du coup, je vais monter à peu près... jusqu'à 2 millions, et au moment où on aura les 2 millions, je mettrai ce vaisseau au placard, et je passerai sur un Lacon type 6. Voilà, tout simplement. Le Lacon type 6 en question sera équipé, je vais continuer quand même à avancer en même temps, sera quant à lui équipé de manière assez particulière, c'est-à-dire que pour éviter tout problème lors de l'entrée en station, je vais lui mettre un robot de parking, entre guillemets, et donc on va profiter un petit peu de cette capacité-là pour éviter tout problème lors justement de l'entrée en station. Je n'ai aucune idée encore de la taille exacte de ce vaisseau, ne l'ayant jamais piloté. C'est pourquoi je veux absolument avoir cette chose, en tout cas, pour démarrer. Attention, pour démarrer. De toute façon, le truc de parking prendra un slot de une taille, il me semble, de taille 1, de classe 1.
Et donc, du coup, ça doit me rajouter genre. Oui, je sais que. Ah, d'accord, il m'a ouvert mon. Ok, pourquoi pas. Je disais donc, oui. Je n'ai aucune idée de la taille du lac Antifis réellement, donc en jeu, de son manque de ouais, de maniabilité, tout simplement, je suis trop con. De manœuvrer. Ah, je sais pas comment. Maniabilité. De. Ouais, bah, je sais pas comment employer le terme de. Il est maniable, mais au niveau de la. Ouais, je sais pas si c'est bon au niveau de la manœuvre en fait. Sa capacité à être manœuvré facilement et de manière aisée. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va continuer comme ça jusqu'à avoir 2 millions. Vous voyez que moi j'ai déjà joué un petit peu. Bah, pour être tout à fait franc, j'ai joué dans le noir ce matin, c'était très très bien, c'était vraiment très très fun. Et vraiment, j'ai pris mon pied, hein, faut le dire, j'ai vraiment pris mon pied. Je fais à peu près 90 000 par trajet, donc c'est vraiment, vraiment bien pour l'instant. Pour un petit cobra. À part aller-retour, entre guillemets. Si vous avez d'ailleurs d'autres zones de commandes de farm, peut-être plus lucratives, même si vous avez ça, n'hésitez vraiment pas, chers amis. Je serais ravi, ravi d'aller ailleurs. Hein. Moi, pour l'instant, je farme cette zone-là parce qu'elle est vraiment, vraiment rentable. À vrai dire, j'ai fait quelques recherches, j'ai eu du mal à trouver d'autres choses un peu plus rentables. Si vous en avez, surtout, n'hésitez pas. Moi, j'irai, je vous nommerai, quitte à vous inviter peut-être de temps en temps, je sais pas. C'est vrai qu'en ce moment, comme le farm est présent, oui, soyons honnêtes, j'ai pas trop l'intention de jouer à plusieurs. C'est du farm, donc pour être avec moi, ça serait pas intéressant en fait à ce moment-là, quoi. Tout simplement. Certes, je me fais agresser de temps en temps, mais c'est très très rare, premièrement. Et deuxièmement, c'est jamais très violent. D'ailleurs, si quelqu'un, alors je vais poser une question importante, si quelqu'un est au courant du fait suivant, que la question étant, je sais par exemple que le cobra, là actuellement, est noté une bonne note en manœuvrabilité. Bon, manœuvrabilité, voilà c'est ça, c'est manœuvrabilité. Donc en maniabilité, il est noté, je crois que c'est 6 ou 7, donc c'est bon, c'est pas gigantesque, je crois. Le lac Antifis est noté 3. Est-ce que en FSD la manœuvrabilité, donc pour esquiver toute agression, est celle du vaisseau ou est-ce qu'elle est identique à chaque vaisseau? En effet, en FSD, je pense que la manœuvrabilité de chaque vaisseau est identique. Ça me semblerait logique. Pourquoi? Bah parce qu'on a une vitesse qui est quand même assez importante et du coup on est entre guillemets en dehors des résistances possibles. Donc je sais pas. Je sais pas, à vous de me dire. Est-ce que j'en chierais plus à esquiver une agression avec le Lacon Tipsis? Voilà, c'est ça la véritable question. Par rapport au Cobra MK3. J'espère ne pas avoir dit Cobra MK4 depuis tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. quoi qu'il en soit, on va arriver à Gansback. Le RP, je l'ai pas encore peaufiné. À vrai dire, comme je l'ai farmé en silence ce matin, j'étais très content. J'avais vraiment la musique et tout ça, c'était vraiment cool. Maintenant, hop, on va accélérer un petit peu quand même. Oh, faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Maintenant, à voir jusqu'où je vais le farmer. Est-ce que je vais farmer par exemple là entre 2 épisodes? Est-ce que je vais farmer jusqu'à 2 millions ou à 1 million 6 peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Tout dépendra de mon envie de farmer sur le moment. Puis bon, j'ai d'autres jeux auxquels j'aime jouer. Donc forcément. On verra bien. Après, oui, non, j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup de plaisir à jouer en mode commerce dans Elite Dangerous. Ce qui me surprend, hein, moi qui suis pas du genre à farmer, 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 farmer. Au contraire, je suis assez impatient au niveau de ce genre de choses. Parce que j'aime me rendre utile. Par exemple, dans un MMO où je suis dans une guilde, j'aime me rendre utile à la guilde. Du coup, j'aime pas les sessions de farm où je dois, par exemple, farmer mon stuff, etc., etc. Je ne supporte pas ce moment-là. Oula, ça va être écrac ça. Allez! Ah mince! Non madame! Excusez-moi! Excusez-moi! Oh putain! Je parle, je parle, je parle, et comme d'habitude. 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hop. Merci. Fou. Oui. Donc voilà.
Je sais plus ce que je disais, je suis désolé. Oui, j'ai d'autres jeux, donc j'aime pas. Je suis pas du genre à farmer, pourtant là j'aime vraiment cette espèce de farm que je fais de cette zone, oula, de cette ligne de cette route commerciale, qui je trouve est vraiment bah, efficace et surtout bah, pas si simple. Je me fais agresser assez souvent après malgré tout. Ça se voit pas là forcément. Bon, c'est toujours quand j'en parle que ça ne se voit pas. Vous connaissez ma fameuse chance, la loi de Murphy, tout ça. Mais ouais, non, je me suis fait agresser par exemple plusieurs fois ce matin. Par un joueur d'ailleurs. Je me suis fait agresser par un joueur. Donc je sais pas s'il m'a reconnu ou quoi, mais il m'a bien farmé. Enfin, il a essayé en tout cas. Quoi qu'il en soit, il ne m'a pas eu. Ah si, puis j'ai manqué de me buter ce matin aussi. Je suis arrivé tellement vite sur la plateforme. J'ai voulu me rapprocher, vous savez, de la hauteur minimum. Et je suis arrivé tellement vite dessus, ça fait fric. Hop les, je raye la peinture. Bon. Alors. On vérifie le tableau d'affichage, des fois qu'il n'y a pas la quête. Ramenez-nous du beryllium. Contrat pour mercenaires. On recherche des coursiers à voyage sur le système Lalande. Lalande, non. Alors, ça c'est quoi? Électronique grand public. Bah écoutez, on va le prendre. On va vendre. Alors, où est-ce que c'est? J'ai cru le voir là. Hop, on vend tout ça. Hop, on y va à la souris, hein. On se fait donc un bénéfice là-dessus de 78 000 crédits, ce qui n'est pas rien. Et donc on va acheter, chers amis, je vais y arriver, de l'équipement ménager. Et on viendra avec deux beryllium en moins, tant pis, et on réalisera cette mission en plus par contre. Faudra y penser tout à l'heure. Hop. Oui, puisque je vais faire un aller-retour supplémentaire. Hein. Hop, on décolle. On vérifie bien que notre soute est pleine, j'ai complètement zappé. Équipement ménager, c'est parfait. Oula. C'est pas le meilleur moment pour faire ça. Parfait, on y va. Donc ça, au niveau des priorités, chers amis, j'y reviendrai quand on aura le Lacon, je pense. Ce sera pas très efficace sur lui, mais en règle générale, parce qu'en fait, avec la mise à jour suivante qui arrive, donc la 1.4, oula, pourquoi est-ce qu'il... Voilà. Ah non, il continue. Non, c'est bon. Avec la 1.4, les générateurs ne seront pas aussi efficaces sur les ennemis. Vous savez, quand je faisais de la chasse, je visais le générateur parce qu'en fait, une fois que le générateur était HS, le vaisseau était détruit. Le vaisseau explosait. Ce ne sera plus le cas. Un générateur HS maintenant sortira en 1.4, ne produira que 30% de son système, enfin de sa capacité à produire de l'énergie. Donc, ce qui veut dire qu'avec 30%, il faudra vraiment gérer ce dont on a besoin comme énergie une fois le générateur brisé. Enfin, en tout cas, hors d'état de nuire. HS. Ce qui veut dire. Ce qui. Bah alors, où est-ce que. Ah, j'ai pas pensé à mettre la truc. Voilà, je me fais avoir. Je tourne en rond en fait. Voilà, je me mets bien à regarder là. Je parle beaucoup, je suis désolé. Du coup, les. Les réflexes me disparaissent, tout simplement. Hop, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ah putain, destination cible masquée, surtout pas. Vite, on se déplace vers sac. Je suis hostile, donc si je me fais scanner, c'est pas bon signe. Non, c'est bon, vaisseau d'autorité, c'est bon. J'avais peur que ce soit un joueur. Je sais plus où j'en étais. Oui, la répartition des puissances. Bah, on verra ça ensemble. Donc un générateur brisé, enfin HS en 1.4 réduit, donc veut dire qu'on n'a plus que 30% de l'énergie produite normalement. Et plus la destruction, ne veut plus justement la destruction complète du vaisseau. Ce qui rendra les fights beaucoup plus intéressants. Ce qui aussi augmentera la capacité des ennemis à fuir malheureusement. Alors maintenant on vise Dwemta.
complètement paumé. Alors, on y va. Hop. Et on n'oublie pas à Duamta de prendre de l'électronique grand public x2. Hop, là je peux plus utiliser le truc, je peux plus utiliser le boost. Parce que je suis déjà en mode FSD. Vous allez voir que les... Oh, j'avais pas vu qu'il y avait un clavier là. C'est cool, j'en ai pas là. Non. Oula, non. On évite d'aller dedans. Polyakov. Play, c'est parti, on y va. Hop, et on fera donc, on reviendra sur Gainsbourg tout simplement. On fera pas deux allers-retours complets. Je pense qu'on reviendra simplement sur Gainsbourg. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Mais ouais, on verra. Les missions sont assez importantes parce qu'en fait elles font beaucoup plus évoluer le rang de commerçant que le simple commerce. Et surtout elles apportent aussi, vous voyez, je vais me faire 30 000 je crois crédits, c'est ça, 30 000 crédits pour deux électroniques en public qui doivent pas valoir très très cher je pense. Alors, c'est là vraiment le moment le plus dangereux entre guillemets. Vous voyez que j'ai des gens derrière moi déjà de base. Ça, ça pue. Ça, c'est pas cool. Alors, nous y voilà, nous y voilà. Comme je le disais, c'est vraiment là le moment le plus long et le plus dangereux de cette route commerciale. Alors je sais pas s'il y a par exemple moins safe, par exemple un peu plus long au niveau des lignes routes, imaginons, mais plus lucratif, ce serait vraiment intéressant si c'est le cas. Mais oui, après j'imagine qu'elle est plus ou moins lucrative, si ça devient trop long entre le déplacement, elle est beaucoup moins lucrative que celle-ci en fait, sur la durée, vous savez. Là, pour 20 minutes, je me fais 180 000 crédits, quoi. Même pas, allez, je vais dire 150 000. Ah, j'avance plus. On est prêt, on y va. C'est bon. On a géré, chers amis. Et je réapparais encore une fois très très loin de cette station. Cette station est vraiment énervante pour ça. Il y a beaucoup de déplacements réalisés. Au menu des autres nouveautés de la 1.4, je vais en profiter comme ça, ce sera fait. Le CQC, Capture the Flag entre guillemets, donc il y aura ça. Il y aura aussi du Team Deathmatch et du Deathmatch Solo. Des sous-factions faites par certains groupes de joueurs. Donc, malheureusement on n'est pas assez nombreux chers amis pour pouvoir en faire une. trois nouveaux vaisseaux, donc le Federal Gunship, le Federal mince. Oh, un deuxième je sais plus. Le Eagle, l'Imperial Eagle, pardon, chers amis, je vais y arriver. Hein. Eagle Imperial, je sais plus. Je suis passé en dehors, ça, voilà. Ouais, je suis passé trop loin. Je suis pas concentré, je suis désolé, j'essaie de tout vous dire. Donc le Eagle Impérial, donc qui sera le même Eagle que les autres mais en version impériale, ce qui peut être stylé et à mon avis plus mieux équipé au niveau du combat. Je ne sais pas exactement ce qu'il aura de plus. Le Fédéral je sais plus quoi, MK2 en fait. Une version déjà est disponible, on aura la version MK2 et la version Gunship. Qui elle, la version Gunship, est une version plus orientée combat. Vous verrez qu'on aura beaucoup de déclinaisons de vaisseaux comme ça, orientés combat, on va dire, orientés dans d'autres possibilités. Vers d'autres possibilités. Donc je ne saurais pas vous dire exactement encore lesquelles, hein, simplement parce que tout le monde n'est pas encore. Voilà ce que j'ai fait. Mais... Voilà ce que j'ai déjà fait il n'y a pas longtemps. Mais j'ai touché un peu plus fort.
Je vais essayer de me concentrer, je suis désolé chers amis, j'en chie. Hop, voilà. Table d'affichage, vous me demandez pas par exemple de l'équipement ménager, ils me l'ont fait ce matin, donc je préfère encore le dire. Livraison le week-end, Dvamta Jet Power Communities, Spirit Feu. D'accord, non, le Spirit Feu je ne fais pas. Médicaments simples. Non. Alors. Non, c'est pas là, c'est vers le bas. Alors on voit de l'électronique grand public, ça va me coûter 15 000 pour 28 000, donc je vais me faire un profit de peu près de ça en fait. Rien que sur cette vente là. Donc j'en ai besoin de deux. Ah, je peux pas l'acheter. Mince, je ne peux pas l'acheter. Ah, je pensais pouvoir l'acheter. Alors, ça veut dire qu'on va abandonner la quête. Voilà. Pourquoi j'ai une amende? Ah, j'imagine que c'est pour avoir fait une connerie. Ma réputation a baissé. Oh, c'est bizarre ça. J'aime pas ça. Prime locale, non, c'est simplement une amende. Bon, bah écoutez, on va se bouffer une amende après tout, pourquoi pas. Hein. On va reprendre du beryllium pour la peine. Hop. Authentification de la transaction. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est nouveau ça. C'est 100% nouveau. Transaction terminée. Eh bien. C'est quoi ce truc là? Ça m'intrigue. Ils ont hésité à me donner de l'argent. À me donner de leurs marchandises. J'aime pas ça. J'ai pas d'amende pourtant. Enfin, j'ai une amende, mais je peux pas la payer encore quoi. Bon, on y va. J'aime pas ça. J'aime pas quand on se fout de ma gueule comme ça. C'est pas drôle. Allez, on vole. Salut les gens. Hop. C'est parti. Crac. Et on se dirige. Chers amis, on se dirige donc vers ce système, pardon. Hop, et on charge. Champ gravitationnel, t'es sérieux? De quoi? Hey! C'est bon, je préfère. Alors, allons-y. Je reçois mes mails, c'est cool. Un petit coup de boost. Pouh! Bon. Sinon, j'ai pas vraiment de nouvelles réelles vis-à-vis de l'utilisation du volant comment Elite Dangerous Horizon, donc le buggy, enfin le véhicule terrestre. Mais j'y crois toujours, chers amis, je veux y croire. Je veux croire que je pourrais faire les deux en même temps. Et que j'y arriverai sans me paumer. Surtout ça. Alors. Petit coup de recharge si tu veux, oui, écoute. Allez, on y va. Hop. Nous sommes actuellement à 799 000 crédits, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oula. En train de passer à côté de la station, ça serait con. Surtout qu'elle est pas extrêmement loin, donc ce serait bête de perdre du temps là-dessus. Donc oui, encore une fois, n'hésitez pas à me donner des routes commerciales viables. Si possible, donnez-les-moi avec vos ratios à vous. C'est là que ce serait intéressant. Que je puisse faire mes petits calculs derrière en fonction du vaisseau que vous avez, etc. Du vaisseau que j'ai. Mais oui, encore une fois, n'hésitez vraiment pas. Moi, je joue en jeu ouvert et je vois qu'il n'y a pas énormément de joueurs sur cette ligne. Du coup, je me dis qu'il doit y avoir plus efficace ailleurs, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me le dire si vous en avez envie, bien sûr. Hein. Je vais pas vous forcer à... Balance-moi ta route commerciale, je veux me faire du fric, connard! Ça va pas être comme ça.
Ce sera vraiment si vous, vous voulez bien la partager, et si vous, même si vous voulez pas la partager directement en commentaire, n'hésitez vraiment pas à m'ajouter sur Steam, hein, vous connaissez là le chemin. C'est bon, je l'ai eu, j'étais pas du tout dessus, c'est cool. N'hésitez pas à m'ajouter sur Steam et à me lire directement sur Steam, hein, il n'y a pas de problème de ce côté-là non plus. Voilà. Voilà pour les différentes choses que j'avais à vous dire, chers amis. Alors, on est à moins de 7,5 km, donc on va pouvoir faire. Hop. Plateforme numéro 34. Donc. Tire sur le manche, Marcus! Hop là. Et on est pile en face, si c'est pas parfait ça. Si ça sent pas l'habitude ou pas. Je vous rappelle qu'il y a quelques épisodes, je me bouffais l'entrée. Hop là. 6% de revendeur, bon, c'est toujours ça le prix. Hein. Eh, je suis con, si ça se trouve, en fait, ici j'aurais pu l'acheter le grand public et le revendre directement. Ah, c'est trop con. Je m'en doutais. Je m'en doutais, chers amis. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé sur le coup. Je me suis dit, oula, je vais me faire avoir. J'arrive un peu vite. Alors, juste pour voir. Table d'affichage, est-ce qu'elle est redisponible? Tac, tac. Ah merde, ça c'est con, j'aurais pu aller le faire. La lande. Ah, c'est vraiment con. Bon. On va aller vendre nos trucs. Et on va aller se faire du mal. Électroménager grand public. Est-ce que je peux en acheter? Non, je ne peux pas. Par contre, mon beryllium, je veux bien le vendre. Et je le vends pour un total de 78 408 crédits. Pour un bénéfice en tout cas. Qui se donne pratiquement 1300 crédits. 1 300 000 crédits, pardon. Bah c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous voyez, pour quelques minutes, on se fait quand même une belle quantité, une belle somme d'argent. On va continuer, je vais continuer là-dessus, moi, dans mon coin, entre guillemets. Peut-être que dans le prochain épisode, on s'achètera un Lacon Type 6 que je fitterai avec vous. Dans le cas où... La station sur laquelle je suis ne vend pas le générateur et le FSD approprié, bah, ça nous fera moins cher, on aura plus d'argent, donc on pourra générer plus de profits. Quoi qu'il en soit les amis, moi je vais vous laisser sur cette révélation fracassante. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yo.